cyberespace. Technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0, cyberespace sur Algérie 3. Avec notre spécialiste Samir Halloun, bonjour. Bonjour Soraya, bonjour Hakim. Bonjour Samir. Dans l'épisode de Cyberespace, nous allons parler aujourd'hui de téléphonie mobile, le marché international des smartphones qui est bousculé par l'apparition dernièrement et prochainement de nouveaux modèles qui comptent révolutionner notre façon de voir notre smartphone avec des fonctionnalités de plus en plus poussées à la pointe de la technologie, Samy. C'est des fonctionnalités qui sont intégrées au cœur de nos smartphones dès l'apparition des tout premiers modèles. Ces mêmes applications ont changé de forme, ils ont changé de nom, mais restent indispensables à nos vies quotidiennes, des fonctionnalités intelligentes qui nous rendent la vie beaucoup plus facile. L'intelligence artificielle, tendance auprès des amateurs et passionnés des TIC, a gagné beaucoup de terrain cette année, au point où cela devient un argument de vente principal pour plusieurs géants de la tech et de l'informatique en général. L'attention est désormais accordée à cet aspect qui prend en charge plusieurs tâches de notre vie quotidienne, créant une rivalité, une concurrence pour trouver l'IA la plus efficace, à même de deviner, d'anticiper les moindres faits et gestes de l'utilisateur. Alors il y a un smartphone, j'ai vu une vidéo qui traîne un petit peu sur TikTok, d'un nouveau téléphone justement qui va être lancé et qui traduit, c'est incroyable, qui traduit instantanément d'une langue à une autre en plein appel. C'est effectivement ce que l'on retrouve sur le dernier flagship, soit le smartphone le plus puissant avec à son bord Android. Des fonctionnalités de l'intelligence artificielle du côté linguistique, donc effectivement l'IA va traduire instantanément nos appels d'une langue vers une autre en conservant une certaine ressemblance par rapport à la voix. Une autre fonctionnalité qui a fait le buzz, c'est la possibilité d'encercler un produit, un appareil, un vêtement ou n'importe quel autre objet, avoir la marque, le modèle, voire même le lien ou l'acquérir ou l'acheter. L'innovation est donc au cœur de ces nouvelles fonctionnalités embarquées sur ce qui est considéré comme le smartphone de demain, ce qui pourrait grandement changer notre manière d'interagir avec nos téléphones déjà intelligents. Pouvoir par exemple effectuer des recherches rapides, remonter plus facilement à la source d'une vidéo ou d'une photo publiée. En bref, il y a de nouvelles manières d'utiliser nos smartphones, nos téléphones intelligents, beaucoup plus intelligemment. D'ailleurs, le téléphone dont on parle, c'est une marque qu'on ne va pas citer, mais c'est l'un des deux leaders mondiaux du téléphone. Leurs téléphones sont meilleurs que leurs frigos. Ça, je peux vous le dire. Des frigos qui manquent d'intelligence. On va vous croire, là. Voilà. Puis on n'aura presque plus besoin d'apprendre des langues à ce moment-là. Bah carrément. Oui. C'est fou avec un smartphone intelligent. Voilà, que vous soyez intelligent ou pas, on n'y verra que du feu, c'est finalement. Ça, merci Samir Halloun.